Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom sur un nouvel épisode de Starbound V4 Please the Giraffe. Donc chers amis, nous étions sur ces trois planètes dans ces trois précédents épisodes, pardon, je vais arriver à parler. Nous allons donc aller sur la deuxième, le deuxième anneau de ce système, qui lui aussi a une ocean, une forest par contre et une aride. Donc on va aller sur l'ocean en espérant trouver donc les derniers objets qu'on n'a pas pu trouver dans le précédent. On n'a plus qu'à croiser les doigts pour ça, il nous reste encore le harpon, peut-être encore quelques bouts d'équipement, entre guillemets, de plongée, entre guillemets. J'espère le slip de bain. on verra bien. Je sais pas du tout s'il y est, à vrai dire, ça m'intrigue. J'aimerais bien qu'il y soit en plus. Ce serait cool. On va profiter pour boire un coup. Le thé est un peu loin, je vais l'admettre. Ok. Ça, cet outil-là, en fait, je pourrais le mettre là-haut. Ou en bas. En haut. Hop. Là. Je sais plus comment ça s'appelle. J'allais dire faux, mais je suis pas tout à fait sûr. Alors, pour aller plus vite. Vous connaissez tous l'astuce maintenant. Ah. Commence bien. Hop. Crac. Voilà, parfait, on y est. Le coffre. Le baril de dos, hop, je l'ai déjà tout ça, je prends juste ce qui m'intéresse. J'arrive plus à utiliser la technique parce que je suis trop bête. C'est génial. Votre personnage n'est pas assez intelligent pour utiliser cette technique. Trouvez un autre moyen d'avancer plus vite. Jeu de merde. En plus j'ai la tenue de Rambo donc c'est cool. Ah là là. Bon sinon j'espère que tout se passe bien pour vous. C'est laquelle? Pirate Jacket. Ah c'est cool, je l'avais pas. Vraiment génial. Bonne boue aussi, j'en avais pas non plus. Bon, je vais tout prendre, c'est pas grave. N'inquiétez pas, j'ai vidé un petit peu mon inventaire en fin d'épisode dernier. Enfin, entre les deux épisodes tournés. Hop, on se laisse tracter un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Un ancien navire? Un ancien navire. Ah, ça c'est intéressant. Il y avait strictement rien dedans, mais c'est intéressant. Ça aurait été cool d'avoir mis un coffre particulier ou un objet particulier là-dedans, mais bon, on peut pas trop en demander non plus. Hein. La construction est déjà présente, c'est déjà ça. Garde un œil quand même sur le sol. Alors, je sais plus si c'était rentable ces endroits-là la dernière fois. Non du tout. Hop. J'espère que vous comprenez pourquoi le grappin est intéressant dans cette zone. Alors qu'il pourrait très bien ne pas l'être. Hein. Rien du tout là-dedans. Ah! Alors, encore une zone avec des machins qu'il faut surtout pas s'arrêter pour. Alors, ici. Qu'allons-nous trouver, chers amis? Hop. On casse ces quatre-là. Hop, on passe.
Hawaiian, on avait déjà cette partie-là, c'est dommage, il nous faudrait le haut. On a fait un grand pas là. Alors, c'est rouge par ici. Il n'y a cependant pas de coffre. Ah, rien du tout par là. Ah, non, c'est bon. Bonjour Guigui. Hop, donc on est sur le serveur, hein, comme vous l'avez compris maintenant. J'en profite au passage parce que je vois ce qui, je vois, pardon, Guigui. Attention, chers amis, quand on fait des invitations partout, je ne fais pas la distinction entre ceux qui invitent pour passer dans une vidéo, parce que bon, quand il y a une invitation qui passe, souvent elle passe dans la vidéo. Donc je ne fais plus de distinction maintenant entre comment ceux qui invitent de manière à vous inviter à jouer pour de vrai. Et est-ce que, de toute façon, je trouve ça de façon un peu stupide parce qu'il faudrait demander d'abord plutôt que d'inviter sauvagement. Et donc les gens qui, tout simplement, veulent simplement passer dans une vidéo. Hop. Alors je vous ai parlé d'un projet d'ailleurs il y a quelques épisodes avec des gens, donc j'attends toujours d'avoir de leurs nouvelles, hein, n'inquiétez pas. Et donc ce projet permettrait d'avoir des accès plus sympathiques, entre guillemets, pour tout ce qui est... Il y a un coffre. Pas compris ce qu'il a dit. J'ai pas compris. T'as créé une chaîne et je me suis abonné car elle ne voulait pas me la créer. Pas compris. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dans le trou? Ah, c'est dans ce genre de truc là qu'il y a des coffres des fois. Apparemment, c'est pas le cas ici. Hop. Ah oui, donc au passage, chers amis, je vous dis un truc comme ça. Si vous souhaitez que je réponde à vos commentaires, il vous faut absolument un compte Google+. Les commentaires de personnes qui n'ont pas de compte Google+, en fait, ne me permettent pas d'y répondre. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas du tout la possibilité de répondre, de faire un répondre sous votre commentaire. D'ailleurs, je ne peux même pas vous mettre en nom directement dans YouTube. Vous savez, plus quelque chose. Donc bon, je vous préviens, si vous n'avez malheureusement pas de compte Google, il serait temps d'en faire un parce que ça m'empêche de vous répondre. Donc j'aimerais beaucoup répondre à vos questions, mais il vous faut absolument un compte Google+. Bon, après, mince, j'ai oublié de dire d'accord. Ah non, si, je l'ai dit. Je crois que j'avais oublié de le dire. Ah, on me l'a déjà, ce bout-là. Je le donnerai à Corgi, c'est pas grave. Même quand il est pas là, je pense à lui, le pauvre. Je me vengerai de cet affront que tu m'as fait. Hop. 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 Rien par là. Ah non, c'est bon. Ok. Hop.
Je comprends mieux pourquoi j'ai pas pu choper quelque chose. Il y avait profond. Il y avait de la profondeur. Encore un, hein? Dis donc, on n'a pas encore fait le tour de la planète alors. C'est cool ça en soi. Ce serait cool aussi que le truc là il se barre. Merci. C'est dur à casser ce machin, dis donc, ouais. Oh, t'es sérieux? Hop. L'épée à bubule qui ne m'intéresse pas du tout. Ah! C'est bon. On a réussi à trouver un chaud à soper, c'est cool. Ok, je vois rien. Là, il y a de la saloperie. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Toujours pas. Toujours pas. Hop! Regardez ça comme elle est sympa, la communauté du serveur! Regardez ça comme elle est sympa, la communauté du serveur! Bien, Schizo! De toute façon, il va se faire payer en nature après. Hop, là, il y avait un coffre. Ça pour une épée moisie en plus. Là, il y avait un coffre. Pff, rien d'intéressant. Crac, 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 crac. Alors. J'espère ne pas rater trop de coffres. C'est vrai qu'en vidéo, c'est plus compliqué entre parler et jouer. Hop. Ah. Effectivement, ça descend profond. Rien non plus. Ah là, il y avait un coffre. Putain, ça se trouve, il y avait un coffre dans tous les trucs que j'ai vus et je les ai pas pris. Ah bon, on voit ce qu'il y a dedans. Oui, je prends pas l'or, et alors? Alors. Grave, vous cachez ma vue! Hop. Alors. Crac, crac, crac. Ah, c'est bon. Effectivement, ça commence à creuser dur là. Hop, il y en a encore une là, donc on a toujours pas fait le tour de la planète, c'est cool. Même si c'est pas ce qu'il y a de plus fun, les planètes sous-marines, je trouve ça calme. Certes, j'aurais aimé qu'elles soient plus fun. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Je réagis à lance-flammes, oui, c'est normal. Je suis programmé pour ça. Hop. Ça y est, on a fait le tour. Bon. On remonte. Biome normal, je vois pas ce que c'est qu'un biome normal. Ah, bla, je me suis cogné. Tant pis, je me suis pas cogné, on va bourrer maintenant que je me suis cogné.
Hop. Ah mais ça remplit pas. Oh. Je me sens tellement floué, chers amis. Ah bah si, ça remplit petit à petit. D'accord. Bien, on est sur une excentrique, nous, donc bon. Est-ce que ça va créer un geyser? Non, ça va se mettre à même niveau. Hop. Ça monte, ça monte? Ouais, alors dire que ça monte énormément, c'est un peu aller... Là, ça va monter plus vite, là, déjà, là. Hop. Surtout plus haut, à mon avis. Bon, c'est pas grave, on n'était pas là pour ça, de base. Aïe. Je sens que je vais réussir à crever connement. Je sais pas pourquoi. Je le sens bien. Je sens bien, je la sens bien, la mort stupide, vous savez. Bon. Bon, bon, bon. Eh ben les amis, on va se laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce viriser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens.